viens tout juste de recevoir le Dyson, le nouveau. Et je vais ouvrir la boîte avec vous. Alors à l'intérieur, on trouve déjà le mode d'emploi qui a l'air assez épais. Je vais devoir le bouquiner. Et ensuite, on trouve la bête. Donc voici l'aspirateur Dyson que j'ai reçu, qui est très joli, très design. C'est un bleu vert, du blanc et couleur métal, on va dire, foncé. Il se prend assez bien en main. Et pourtant là je le tiens avec la main gauche et je suis droitière. Il est assez léger quand même. Donc on peut aspirer sans trop se fatiguer. Et bon, enfin je l'essaye maintenant. Et donc là c'est l'endroit pour appliquer les embouts. Donc voici le premier embout. C'est un embout assez complet, on dirait. À l'intérieur il y a un rouleau qui tourne avec des petites brosses qui sont circulaires, mais qui sont en ellipse. Ensuite il y a une brosse qui est un peu plus simple. Un embout ouais, double. Avec une brosse et ici un petit peu plus allongé. Et pour finir, un embout très simple, long et fin. Donc j'imagine c'est pour aller dans les coins. Voilà, et dernier objet qui est indispensable, le câble pour le recharger. Voilà, donc j'ai tout déballé. Maintenant je vais aller lire le mode d'emploi et puis et ben, je vais charger l'aspirateur pour le tester parce qu'il me tarde vraiment. Bon, en fait, je me suis fait avoir parce qu'il est déjà un peu chargé. Je connaissais pas du tout les Dyson. Mais ce que j'avais entendu, c'était que c'était des aspirateurs assez bruyants. Là, pour le moment, alors oui, on entend une aspiration. Mais je trouve que ça va. Il faut m'entendre un petit peu parler comme moi. Bon, allez, je vais l'essayer. Une autre vidéo bientôt.